Une unité industrielle de production pharmaceutique sera bientôt érigée à la GDIZ de Golodigbé. C'est l'une des promesses de Conti Pharma, spécialisée dans l'industrie pharmaceutique, très admiratif pour les prouesses visibles à la zone industrielle. Une infrastructure qui fascine, selon Bernard Delrez, responsable de Conti Pharma. Quand j'ai vu un petit peu l'installation et les infrastructures qui ont été développées ici, je suis relativement surpris, impressionné et même intéressé, si je peux dire, puisque dans peu de pays africains dans lesquels nous sommes implantés, je n'ai rencontré des infrastructures telles que celle-ci. Précisément, donc, nous faisons de la fourniture et de la fabrication de médicaments génériques exclusivement européens. Très impressionné, une branche de Conti Pharma va bientôt être installée à la GDIZ. L'objectif est clair, fabriquer des produits pharmaceutiques au Bénin, comme c'est le cas en RDC. L'objectif, si j'ai été impressionné, c'est qu'il y ait une suite et donc qu'il y ait la mise en place d'une installation de fabrication de médicaments génériques pour cette partie ici de l'Afrique. Donc notre objectif est de développer des produits aux mêmes conditions, mais précisément d'origine européenne, mais fabriqués dans un pays comme le Bénin, comme nous faisons déjà actuellement en RDC. Avant de prendre le départ de la GDIZ, Bernard Delrez a visité le centre de production textile, l'usine de transformation du soja et l'unité de transformation de noix de cajou.